Certes, Frère Beauplanc parlait où de pasteur Bernier Coulange. Yon, même si nous t'arrêtons l'aile dans dormi, pour demander lui un service, c'est avec plaisir. Donc, l'aile mourit, il mourit en Haïti. Moi, je te dis que malheureux, je ne peux pas aller dans tes mains parce que je ne peux pas avoir un passeport. Et entre-temps, donné au vin changer et rentrer avec lui ici. Là encore, je ne peux pas passeport. Je ne peux pas faire passeport. Mais pas dans l'intention pour me venir parce que je ne connais pas d'abgé en jouer un passeport. Je ne peux pas passeport. Je ne peux pas en urgence parce que je ne peux pas gagner date de voyage. Je ne peux pas. Mais je considère comme une urgence qui fait. Bon, tu fais un bon passeport dans 2 semaines. Et lorsque je sors de travail, je arrive à la Kaila, mon passeport a venu jeudi après-midi. Je me dis, waouh, passeport a venu. Moi, les petites, moi, je me dis que passeport a venu, je suis parti demain. Et puis, quand ça me prend route là, je suis rentré. Dieu a tout fait pour un but. Il voulait que nous soyons là pour nous être capables d'adorer le Seigneur ensemble avec nous. Je suis content. C'est Frère Beauplanc qui t'a dit combien ce jour, mes chers, 5e dimanche. C'est un dimanche que nous remets en pile parce que moi j'étais président d'un comité d'éducation familiale au Gonaïve. Chaque fois qu'il y a un 5e dimanche, nous avons toujours des activités qui font. C'est vrai que je n'ai pas été. Et gain temps et me pas gain temps tout parce que c'est comme on dit c'est jeudi soir me connais m'a rentré et puis c'est l'aime rivé ici hein me connais que c'est dimanche de la famille mais frère Beauplanc gain temps si aller si me pas gain temps prendre avion trop tôt on capable méditer mais le temps nous presse. Comme je dis, moi, c'est pasteur Téligène. Je travaille avec pasteur Serge dans l'église de Dieu Garizim au Canada. Ben, moi, c'est un monde qui a 5 petites. Il y a 5 petites. Et toutes fines grandes. Il y a 4 ans qui sont mariés. Il y a une dernière pour qu'on marie. Et puis, avec eux, j'ai gagné 8 petites. Mais malheureux, Dieu a jugé bon de rappeler ma femme. Elle n'est plus. Donc, ça fait 3 ans et demi depuis qu'elle est partie. Donc, nous sommes là avec les enfants. On a continué à adorer le Seigneur. Dieu a tout fait pour un but. Il est Dieu, personne n'est pas capable de réprimander pour dire pour qui ça le fait ça. Il est Dieu. Donc, nous n'avons pas l'autre bagaille que nous avons fait, rendre gloire à lui-même pour toute bagaille. Et maintenant, nous avons juste conseillé avec un bagaille que madame a dit moi. Dimanche de la famille, son gros dimanche. La famille où elle est là, faut que nous portions en pile attention avec lui. L'instruction civique dit nous famille, les composée du père, de la mère et des enfants. Chaque entité sa yo a une responsabilité personnelle. Et n'a conseillé ou n'a bon mise en garde. Nous-mêmes qui sommes femmes de prière, hommes de prière, fais attention. Il y a des choses qui passent la caille nous, pas discuter dans le groupe.
Ça passe la caillou, madame Marie, gagne monde même qui a dit moi-même race un tel ma jambe c'était devant garçon. Moi-même race un tel ma jambe dans rang sac femme. Et puis c'est moun sa yo pour aller raconter cause ou cap bon conseil pour craser foyer. Gayon le madame moi t'es dans un groupe ensemble avec moi. Mais gagne un principe que le t'ai violé. Moi-même en tant que président groupe là, mettez madame moi dehors. Mettez-le dehors. Et puis yon dame qui l'église là passé ou elle dehors, soit fait là. Il dit oui, mais tel bar qui passé, t'es mettez moi dehors. Il dit qui ça? Regardez, balambago. Yon sœur l'église. C'est sale bal comme conseil. Mais Dieu soit loué. Madame moi dit merci beaucoup pour conseil là. Et puis l'aime dans problème, moi venir de me prier. Et puis il relève pour le dire ça. Mes chers amis, gen moun gens y a mal vivre avec Marie avec madame yo. Y a pas de conseil là-bas ou. Fais attention. Si je sens que tout le temps pour parler de la famille, parce que ça, c'est un. C'est que moi. Mais, j'ai dit quelques mots concernant le message que nous avons pour ce matin. Dans Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Non pas bien temps pour nous faire lecture. De passage là, mais pendant la médité, on a fait quelques lectures pendant la médité. Et un sujet, c'est cherche l'appui du maître. Cherche l'appui du maître. Et ceci est important pour toute famille, pour chercher qu'on est sa bon Dieu vle pour famille. Chercher qu'on est qui plan mon Dieu gagne pour famille. Parce que gagne, c'est-à-dire un gros thème pour nous dire, parce que c'est Dieu qui détermine le processus. C'est bon Dieu qui connaît. Qui je la mène famille, hein? Qui compte la priver avec elle. Peut-être ça, c'est pour nous toujours rester à chercher comme ça, bon Dieu, vle pour famille. Et refrain chanson, que nous jouons dans 52 mélodies, il dit cherchez l'appui du maître, soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Si nous voulons réussir, nous voulons plus que vainqueur, c'est pour nous chercher comme ça, bon Dieu voulait. Parce que quelquefois, ça nous voulait, c'est pas ça, bon Dieu voulait. Ça nous t'a aimé faire, c'est pas le plan de Dieu. C'est pour nous toujours être à tant sa bon Dieu a dit. Nous dit, c'est Dieu qui détermine le processus. Quelquefois, Jean bon Dieu déterminé pour faire quelque chose, nous-mêmes, nous concentrons contrarié parce que ce n'est pas ça qui est projeté. Ce n'est pas plan pas nous. Ce n'est pas là que nous voulons aller. Nous concentrons le contrarié. Mais c'est pour nous pas oublier aussi qu'il est dit dans la Bible, dans Proverbe chapitre 19, le verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est vrai. Ou capable dit, mais ça a gagné pour deux jours, trois jours, quatre jours. Comme moi, je dis où?
Je suis au travail, mais jeudi après-midi. Moi, j'ai gagné tout ça que j'ai fait dans vendredi matin. Et j'ai un surplus de travail. Moi, j'ai planifié pour mal travailler samedi. Les mouvis la caille, bon Dieu dit, mon garçon, eh bien, ça me dérange, non? En route pour Boston. Et puis, je prends le téléphone, je relais le chef d'équipe là pour me dire, demain, pape Cavini. Vous voyez? Parce que, quelquefois, Jean bon Dieu décide pour l'agir, nous-mêmes, nous voulons agir autrement. Mais c'est pour nous toujours avoir la sagesse, pour nous connaître. Lui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. M'a fait ci, m'a fait ça, m'a fait ci, m'a fait ça. Mais qui ça, bon Dieu, dit? Et c'est ça que fait, mes chers amis, n'a conseillé famille, apprenez mes têtes nous ensemble pour la prière, bon Dieu. Madame Marie, entrez dans la prière pour qu'on sa bon Dieu vle pour famille. Ça, bon Dieu, voulait pour famille. Le cœur de l'homme rempli avec projet, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce matin, on a parlé des enfants d'Israël, que vous connaissez mieux que nous. Les enfants d'Israël, c'est un groupe de monde qui est issu de la famille d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et Jacob est devenu Israël par son nom. Et le peuple, c'est le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël t'a fait quelque bagaille qui pas te fait bon Dieu plaisir. Selon Juges chapitre 6 verset 1er, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Mes chers amis, n'a servi bon Dieu. Comme nous dit, cherchez l'appui du maître. Cherchez toujours comme ça bon Dieu voulait. Car déjà, yon garçon, il toujours qu'on cherche connait qui bagaille madame ni plus remet, elle a fait un cadeau pour le faire content. Eh bien, c'est pour chercher comme ça bon Dieu voulait pour nous. Pour nous toujours en harmonie avec bon Dieu. Les enfants d'Israël te fait ça pas de bon. Qui va te faire bon Dieu plaisir? Bon Dieu te livré à Madian pendant 7 ans. Mais les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Là où on va trahir, en bas même Madian, il y a pas ces misères en bas Madian, ils ont crié dans le pied bon Dieu. Heureusement, mes amis, notre Dieu, c'est un bon Dieu qui entend la prière. Quelle que soit la situation qu'a trouvée, joignez avec bon Dieu dans la prière. La faire en bagaille. La faire en bagaille. Je dis nous, les enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel te voyait un prophète. Pour parler avec yo, pour dire yo, ça peut arriver pour yo. Et finalement, bon Dieu mette la main sous Gédéon. Pour Gédéon capable à le mettre Israël dehors en bas même à Dieu. Et l'Éternel, l'El tape convoqué Gédéon, l'ange de l'Éternel paraît à Gédéon pour le dire, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et Gédéon t'est ébranlé par cette parole pour dire comment bon Dieu avec moi-même pour ça n'a pas passé là. Bien-aimé, oui, bon Dieu avec. Si bon Dieu pas avec, ça t'a pris mal. Bon Dieu avec. Et l'Éternel parlait avec Gédéon, lui dit Gédéon, m'a servi avec vous pour mettre Israël dehors en bas main Madian. Si nous t'avons lu les versets 36 à 40,
dans le juge là, chapitre 6 là, Gédéon était un petit peu craintif. Gédéon était un petit peu peur. Gédéon est misère que peuple s'a passé en bas même à Dieu. Et pour mon Dieu dit, c'est moi qui pour la bataille. Gédéon dit, ah non. Il n'est pas senti le capable. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Et si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main comme tu l'as dit. Gédéon dit, non, bagala tellement dur, bon Dieu, m'pa quoi m'capable, m'pa quoi m'calé. Mais comme ça, ou qui dit, si vraiment, ou voulez pour sa fête, lui mandez lui en preuve. Donc, nous pas prendre trop de temps pour nous parler de ça, parce que lui mandez preuve là en deux temps, en sens contraire, et toute bagarre était marché. Et comme ça, l'Éternel rivait, mandez Gédéon pour Gédéon aller, mettez la main sur Madian. Mais comme nous disons, Gédéon était un petit peu craintif, tu vois que peuple ça, son peuple qui nombreux, qui j'en pral le faire affronter peuple ça? À qui courage? Gédéon prend une décision sage, une décision sage. Décision sage ça qu'elle te prend dans Luc chapitre 14, verset 28 à 32, que Jésus t'a parlé avec Foul Mounayo, il t'a dit, oh, qui est-ce dans nous? Car lequel, verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voit s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Donc, solution de sagesse ça, il dit, si on va prendre la bataille, faut calculer quantité de monde qu'elle gagne, et faut essayer qu'on est ennemi pour l'attaquer, pour qu'on commis soldat le gagne, lui-même pour qu'on mette un homme qui est supérieur à lui-même, pour qu'on capable de remporter victoire. Gédéon connaît que Madian, yo en pile, yo gen moun, monsieur, passé en revue ces hommes de guerre. Et que, dans le travail qu'elle fait, li joigne 32 000 hommes pour bataille là. Ça, c'est un homme qui est soucieux. Mais pas oublier nous dire, c'est Dieu qui détermine le processus. C'est bon Dieu qui a agi. Nous avons un pile projet. C'est normal, il y a 32 000 hommes, sont-ils confortables avec 32 000 hommes pour la bataille. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, il pourrait en tirer gloire comme moi, contre moi, et dire, c'est ma main qui m'a délivré. L'Éternel dit, Gédéon, garçon, moi,
Féliciter. Vous faites un bel préparatif pour la bataille là. Vous avez 32 000 hommes, bravo. Mais on connaît. Vous avez trop pris pour gagner la bataille là. Bien aimé, quelquefois, j'ai un Jean bon Dieu a agi. Vous ne pouvez pas comprendre. Pas de problème. Vous avez 32 000 hommes. La bataille la plus vite. Mais l'Éternel pas voulu pour que les fin gagne bataille là pour moun pas dire parce que te gagne pile moun qui fait gagne bataille là. Bien-aimé, ça li important pour nous tous, membres de la famille. Si ou tout bagarre marcher dans famille yo. Ti moun yo à l'école. Yo pas malade. Gen machine, gen bel kay. Pas parce qu'on pi bon, non? Pas parce qu'on fait bon préparatif, non? Qui fait ça arriver. Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est pour ne pas jamblier, pour nous rendre gloire à bon Dieu, pour ça le fait pour nous. L'Éternel dit Gédéon, 32 000 hommes dans trop. Yo trop. Et, les dit Gédéon, puisque yon trop, m'a retiré un peu là-dedans. Il dit, parlez à yon, dis yon comme ça, que celui qui est craintif s'éloigne de la montagne de Galaad, 22 000 parmi le peuple s'en retournait et il en resta 10 000. L'elfine parlait à yon, il dit, monsieur, c'est vrai que nous prenons. Bref, pour bataille là, n'a pas fait, m'connais gen moun peut-être qui te gen projet pour faire ci, pour faire ça. Donc, ou gen moun peut-être madame yon accouché, pas connais, mais nous ka gen embarrassé. Si gen moun qui senti ou bon, tu j'en pas ka aller, pas gen problème, non? Tout moun qui pas ka aller, nous met tourné. 22 000 moun tourné. 22 000 tourné. Rete 10 000. Ça te suffit pour Gédéon te dit m'a pas aller encore parce que m'a pas capable fin calculer une bataille tellement de monde moi pour aller avec 32 000 monde 22 000 tourner bataille a perdu mais pas oublier c'est Dieu qui détermine le processus. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. L'Éternel dit encore à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Le peuple est encore trop nombreux. Ça t'a suffi pour Gédéon te dire l'Éternel, eh ben, c'est trop besoin pour aller tout faire, tu es fini. Parce que je ne peux pas avoir 32 000 personnes qui parlent de la bataille. Ou tu es 10 000. Et pour Gédéon, 10 000 là, pas aller la bataille là. C'est comme si Gédéon t'a commencé par qui j'en prends le faire pour reporter la bataille là. 10 000 personnes. Il dit non, ça c'est pas possible. Et mais l'Éternel dit Gédéon, 10 000 là trop toujours. 10 000 là trop. L'Éternel dit Gédéon, on va le faire un triage. Dans 10 000 ans, dis-le comme ça, puis aller boire de l'eau, faire boire de l'eau. Tout pour descendre, aller boire de l'eau, boire de l'eau. Il dit pendant boire de l'eau, m'a boire un truc. Tout monde où est qui chita à terre, qui met à genoux pour boire de l'eau. Mettez à côté. Mais tout le monde qui campe, zam nan mené pour qu'il boit de l'eau, tant que c'est chien qui boit de l'eau, il dit mettez à côté. Les Gédéon fait triage là. Les jeunes monde qui mettez à genoux, monde qui chita pour boire, les jeunes seulement monde qui campe qui boit de l'eau, les jeunes 300 monde seulement. 300 monde seulement. Bien-aimé, qui j'ai moi avec vous, nous avons réfléchi
de 32 000, ou était 10 000. 10 000 là, qu'on y a là, 300 seulement. Qu'on y a là, on a fait de 8 000, 700, si je ne me trompe pas, qui tournait. La caillou était 300 moun seulement. Bien aimé, c'est ça que fait, c'est pour nous compter sous bon Dieu, oui. Pour nous compter sous bon Dieu. Même si vous n'avez pas de route pour passer. Comme si vous avez chanté tout à l'heure, même si vous avez pu faire noir, bon Dieu peut le faire jour éclairé sous vous. Il peut le faire jour éclairé. Et 300 hommes qui étaient là, eh bien, l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Et comme ça, il prend l'idée, Gédéon, pas fait qu'il casse les garçons. C'est avec 300 mouns ça seulement ou a réussi la bataille là. Bien aimé, laissez bon Dieu carrer, même si demain ou vide, victoire assurée. Mais là, on pas que bon Dieu avec ou a grand pile cob dans main ou. Maladie a mangé ou. Tout bagay a passé. Combien milliers de l'argent tout a passé. Mais pourtant, si l'Éternel qui décide de faire un bagage pour vous-même, il sait seulement passer, il fait une prière, et puis tout bagage est réglé. Et lorsque Gédéon prend monsieur, l'Éternel dit Gédéon, je sens que vous cassé. Je sens aucun problème. Parce que aller dans une bataille comme ça contre Madian, hein, contre un groupe de monde comme ça, il dit qu'on a aucun problème. Mais ma bonne démonstration. L'Éternel dit à Gédéon pour les lever, pour aller dans quand Madian. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Et il descendit avec Pur à son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. L'Éternel dit, gardez. Moi, au contraire, j'ai peur. Je vais faire une démonstration. Levez pendant la nuit. Allez dans le camp, Madian. Ou attendez causer. Et les Gédéons rivés le prend, Pura vraiment aller avec lui, le rivé. Vous dites nous, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. L'aile rivée les joint une quantité de monde qui couchait. Quand il y a des garçons qui gagnent des âmes dans la main, ils dit non, ils ont répandu tant qu'ils sont multitude de sauterelles. Tellement ils ont pile. Et puis ils disent chameaux, ou pas à compter. Bien aimé, qui bagaille, c'est bon Dieu qui a fait, ou pas à comprendre, non? Un homme qui parle goumer avec toute quantité de monde, quantité de monde, il n'y a pas à compter, non? Il me dit que 300 seulement. Et l'aile rivé, les Gédéon rivé, mais un homme qui a raconté à camarade lui, un songe qu'il fait. Il disait,
J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Et il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée, et l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Il dit, d'après rêve qu'on fait, pareil l'autre bagaille, nous perdons la bataille là. Nous perdons la bataille là. Et quand il était monde que Madian gagné, Bible là nous dit, il y a tellement pile, c'est un coup son bon sauterelle, on ne peut pas compter. Soldats, on ne peut pas compter. Et il dit, lui-même avec 300 hommes, là, l'elfine, ouais, bagaille ça, yo. Hein? Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. L'elfine, tant de causer ça, il tourne une grande force. Il dit, gardez-nous. Bien-aimé, il y a quelques situations qu'on trouve. Témoignage méchant, il faut avoir plus confiance dans le bon Dieu. Oui. Là, on a dit, ah, non, ça, pour ça, moi, je fais. Ou bien, mais telle révélation, je fais. Mais ça arrive, là, ça, on vient prendre courage, ou qu'on est bon Dieu avec vous. Là, j'ai dit, on rend compte que, bon Dieu avec elle, monsieur, vient de courage qu'on y a. Il tournait, il dit, monsieur, levez, nous prenons la bataille. Il divisa en trois corps les 300 hommes et il les remit à tous des trompettes et des couches vides et avec des flambeaux dans les couches. Il prend 300 hommes là. Il divise en trois groupes. Il baille des trompettes. Bien-aimé, qui m'a dit, le bon Dieu a fait. On pas comprendre, non? On homme qui parle dans la bataille, c'est trompette. Dans la bataille, c'est trompette. Des flambeaux. Et puis il dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'absorberai le camp, vous ferez ce que je ferai. Il dit, les noms rivés dans le camp. N'a pas fait, Sam nous aime fait. Et comme ça, Gédéon l'aile rivé, il dit, n'a pas sonné trompette là. N'a pas dit, épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon, et puis sonné trompette yo. Ça seulement yo fait, sonné trompette. Et peuple là, qui tendait bruit ça, yo relan moué, yo dit, nous vann. Nous vann. Nous ne pas quitter l'ennemi vient touiller nous. Nous ne pas quitter touiller nous. Et puis il dit, n'a pas mouru en héros. Yo chaque yon prend piquer l'autre. Yon prend piquer l'autre. Le yon prend piquer l'autre. A touiller l'autre avec coup de pique. Monsieur yo craser tête yo pour compte yo. Et puis les hommes de Gédéon a joué trompette. Et puis il est fini. Qu'on est là, Gédéon avec tout le monde, il fait que rentrer, ramasser, buter. Et puis, mais qui Jean, bon Dieu, baille victoire. Mes chers amis, cherchez toujours comme ça, bon Dieu, vle pour nous. Qui Jean, bon Dieu, a agi pour nous. Ça nous gagne en main, nous ne sommes pas capables de réussir avec elle. Si quoi on travaille là, il n'y a pas qu'à mettre au dehors. Mais la prière qu'à mettre au dehors. Le Seigneur qu'à mettre au dehors. Ou à saisir, ouais. Il y a des gens qui travaillent pour un pile d'argent. Il n'y a pas qu'à économiser un rien. Mais ou même, si mon n'y a pas ou à, ou à faire progrès avec elle. Parce que c'est Dieu qui contrôle la vie ou. C'est Dieu qui contrôle ça va faire. Nous encourageons.
chercher l'appui du maître. Connais ça bon Dieu voulait pour vous. Connais ça bon Dieu voulait pour famille ou. Connais ça bon Dieu voulait pour madame ou. Connais ça bon Dieu voulait pour mari ou. Connais ça bon Dieu voulait pour Simon yo. Et comme ça, on va dire, avec Dieu, nous ferons des exploits et on va écraser tout ennemi qui campait devant, on va remporter victoire au nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse nous. Parce que Captain Lamia, c'est Jésus. N'a marché pas à pas derrière lui. En mettant debout. Bayen barricade qui gabarre nous. Parce que Captain Lamia, c'est Jésus. N'a marché pas à pas derrière lui. N'a point barricade. Kaki gabaye nous. Nous disons bon Dieu merci pour le message qu'il vous donne nous. Et vous cherchez l'appui du maître. Ça veut dire, j'ai de on en lutte, nos combats le droit de mener.